L'école avait particulièrement souffert de la bataille. Autour du bâtiment, une demi-douzaine d'Allemands avaient été surpris et tués par la mitraille. À la mi-janvier, rentrant dans la classe dévastée, M. Schmidt, instituteur, découvrit un message inscrit en hâte au tableau par un officier allemand. Un message rédigé rapidement, nerveusement, entre deux assauts, deux rafales de mitrailleuses, entre la vie et la mort. Que jamais le monde ne vive semblable nuit de Noël. Mourir par les armes, loin des enfants, de son épouse et de sa mère, rien de plus cruel. Ravir un fils à sa mère, un mari à son épouse, un père à ses enfants, est-ce digne d'un être humain? La vie ne peut être donnée et acceptée que pour s'aimer et se respecter. C'est du tableau des ruines, du sang et de la mort que naîtra sans doute la fraternité universelle. Signé un officier allemand.
Pasa la grasa.